cette semaine, vous n'en avez pas eu beaucoup, même pas du tout. J'ai été très prise. Parce que je suis en train de faire une commande en cartonnage. Puis, j'ai encore des... Comme si certaines d'entre vous ont peut-être vu, j'ai mis un message dans la communauté. J'ai encore certains soucis en ce moment, donc il faut que je règle mes soucis. Et du coup, je ne suis pas toujours là. Voilà. Donc aujourd'hui, ce soir, j'ai décidé de faire un tout petit mini-album. Voilà, avec des enveloppes. Voilà, des enveloppes et des cartes. Bon, c'est un genre d'album qu'on connaît déjà. Hein. Mais donc, j'avais envie de faire ça ce soir. Avec vous. Avec Fifi. Mon pot de colle. Et donc comme ça vous allez voir comment je fais. Et puis à la fin, je vous dirai quelque chose à la fin. Voilà. Comme ça, vous resterez jusqu'au bout. Oui, je sais, je suis méchante. Allez, donc je vais changer la caméra de visu, hein. Je vais la mettre sur la table. Je vais bouger Fifi de place, parce que là, elle est sur les enveloppes. Ça ne va pas trop le faire, hein. Vous voyez? Hop! Elle est carrément... Voilà, ça y est, elle a compris, elle bouge. si elle reste là, après, je vais lui couper les oreilles en pointe. Non, c'est pas vrai. Donc voilà. Allez, on va faire la... Oh. On va faire le mini-album. Voilà, je vais y arriver. Et on se retrouve encore à la fin. Mais là, je reste avec vous. Hein. Voilà, on va papoter en même temps. Donc voilà. Il va falloir 4 enveloppes, donc c'est les enveloppes 15-15 hein, de chez Action. Là j'ai pris les beiges, les cartes qui vont avec. Donc ça les cartes, j'ai mis un petit paquet, je ne sais pas combien je vais en utiliser. J'ai préparé plusieurs papiers. Pour décorer, voilà. Ensuite, donc j'en ai encore là sur le côté, et là j'ai une perfo bordure, j'ai mon double face, j'ai ma colle, mes ciseaux, j'ai mon coupe papier. Voilà, j'ai d'autres papiers pour décorer. J'ai des petites perfos rondes. Bon, j'ai pas mal de choses avec moi. Donc, on verra au fur et à mesure. Alors, d'abord, les deux premières enveloppes, on va les mettre comme ça, l'une dans l'autre. Voilà. Vous voyez ? Donc, pour les mettre l'une dans l'autre, on va les coller. Donc, je vais faire avec la colle. Ce sera mieux qu'avec le... Alors, j'espère que ma colle va sortir. Je vais prendre un mouchoir en papier. Et oui. Ça sèche toujours, ces colles-là. Utiliser l'autre colle, ça ira plus vite. Hein. On va pas passer toute la soirée. Donc, je vais utiliser mon bâton de colle Cléopâtre. Thank you.
Voilà. Donc ici, ce bout-là, on va le coller aussi. On ne le verra plus, hein, puisqu'après, on va coller un papier décor. Voilà. Ensuite, on va faire encore la même chose avec deux autres enveloppes. Donc, on va passer comme ceci. Voilà. Mais avant, celle-ci, on va couper au bord. Alors, pas beaucoup, hein, juste un millimètre. Comme ça, ici on a une ouverture. Donc celle-ci, on va la coller là. Je vérifie d'abord que ça aille bien. Moment de plier, hein. Et bon, je peux coller. Alors, je suis donc là, c'est le dos. Donc là, j'ai mon ouverture. Là, on va le fermer, hein, ça, vous inquiétez pas. Et ici, donc. On va refaire pareil de ce côté-là, donc. Je vérifie toujours si au moment de plier si ça va aller. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui j'ai deux mains gauches. On va coller. Donc, on aura une ouverture ici. J'ai une ouverture ici. Je vais couper un petit peu ce qui dépasse. Voilà. Donc là, j'ai mes quatre enveloppes. Une, deux, trois, quatre. Alors, maintenant, je vais avoir mes cartes. Donc les cartes, il y en a qui vont passer ici. Vous voyez,
Voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté, dans l'autre sens. Alors, pour l'instant, je vais fermer ici. Alors, je ne sais pas si je referme avec des enveloppes. Non. Si je mets des cartes, non. Je vais faire mettre mon papier directement, je crois. Mais ça n'ira pas. Je vais déjà m'occuper de là. Voilà. Alors, je vais choisir mes papiers pour là. Bien faire les coins surtout pour pas que ça se décolle. Donc, je cherche si je remets la même couleur ou si je fais contraste avec celle-là. Voilà. La couverture, je vais peut-être mettre ça. Donc, je verrai après. Donc là, je vais faire les deux dernières. Alors, les deux dernières, pas ça. Peut-être mettre des cages à oiseaux. J'avais mis quoi en premier? Là, c'est des cages à oiseaux. Ah, j'ai fait une bêtise, non? Attendez. j'avais pris comme ça. Et comme ça, j'ai mis les oiseaux à l'envers. Donc, ben, ça va être les deux dernières. Quand je vous le dis qu'aujourd'hui, ça ne va pas. Et celle-là, ben, ce sera les deux premières. Parce que là, je ne peux plus décoller. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc là, j'avais celle-là. On cherche les fleurs pareilles. C'est de pas les mettre à l'envers. Hein. Une fois ça va, deux non. Hein.
2. Ah, ça colle pas. Normalement, c'est bon. Ensuite, donc il faut que je trouve. Quand on fait des bêtises, on les fait jusqu'au bout. Je l'ai fait jusqu'au... Et là, maintenant, ça colle. Bon, ça fait rien. On va rester zen, les filles. Zen, zen. Faut rester zen. Parce que vous voyez, maintenant ça ne rentre plus. Je sais pas. J'avais dit qu'il fallait que je fasse attention. Voilà. Donc là c'est bon. Il y a toujours une solution. Normalement, ça va aller là. Impeccable. Là, pourquoi ça... Donc maintenant, je peux passer ma carte dedans. Maintenant ça rentre. Voilà, youpi. Ah, je vous jure. Donc. Donc là, je vais recouper. En voilà. Alors j'en avais un deuxième comme ça.
et le 2. Voilà, je les fais simples. Je peux les faire simples aussi. Je vais en faire un simple. Donc, je vais couper la carte. Je fais toujours à l'arrache. Hein. Moi, vous savez, je change d'avis assez souvent. Voilà. Donc ça, ça ira là. Donc pour que ça aille bien là, on va faire un trou-trou. Alors j'avais trois perfos, voilà. Ne cherchons pas à comprendre. Aujourd'hui, il n'y a rien à comprendre. Ensuite, bon, ici plutôt. On va faire une petite poche. Donc là, je vais faire avec ça. Petite bordure dentelle dans l'autre sens.
Ouais, c'est la colle qui a... Regardez. C'est la colle qui s'est épaissie. Je vous jure, mais je vous jure, mais je vous jure. Donc, là, voilà. Donc, bah, cette colle-là, elle va aller à la poubelle. Il n'y a pas d'autre choix. Là, on va faire autrement, hein, puisque la colle ne va pas. Donc là, je vais faire du double face, mais je vais le dépasser, faire dépasser, je vais le couper, puisque je n'ai pas du fin là sous la main. Il y a encore ma boule qui roule comme un sauvage dehors. Et voilà. 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 Ça a été laborieux, hein. Donc je suis là. Je vais faire la première page. Qu'il faudra bien fermer l'album. Donc là, par contre, on va mettre du double face. Donc,
que j'ai posé quelque part. Il y aura des petits bouts de ruban aussi de la, des cartes, mais c'est rien, il ne va pas y en avoir beaucoup, hein, il n'y en aura que deux. Donc là, je vais peut-être faire double face et colle. Ce sera... Allez, on va terminer ici. Hein. Donc, je vais boucher mon trou. Et voilà. Comme ça, je vais pouvoir passer ma carte tranquillement. Et là, bah, du coup, je vais peut-être en mettre une double. Oui. Ouais, je vais peut-être mettre une double ici. Décorer les deux pages ici avec là on a mis quoi et là donc on va peut-être mettre des arabesques. Voilà. Donc ici, on va... Il reste ce que je fais avec ça aussi ici, mais sur les arabesques, peut-être pas.
ici, un petit peu. On y va, on y va, on y va. Alors ici maintenant, alors je pourrais faire comme ça, dans le sens inverse, mais les caches seraient à l'envers. Comme ça, ça ferait pas top. Parce que bon, glisser une photo dans ce sens-là... Si, pourquoi pas, ça change. Alors je vais faire la... Désolé, on a une coupure, je ne sais pas pourquoi. Il nous reste du temps pourtant, oui. Ah, pas beaucoup. Donc, je disais 1, 2. Celle-là, je ne l'ai pas en double. Ici en double, si tu veux. Une coupure, mon téléphone était plein, donc voilà, je l'ai vidé pour faire la fin de la vidéo. Donc j'avais collé les deux parties ici, il me reste les deux à l'intérieur à faire, donc les deux à l'intérieur, c'était lesquels, c'est ceux-là. Voilà, du double face.
Et voilà, donc là on pourra mettre 4 photos. Voilà, donc ça fera comme ça. Et il nous reste ici. Ici, ben, je vais faire simple. J'attrape chaud. L'intérieur, c'est bon. Voilà. Okay. Voilà, on va finir l'extérieur. Je vais déjà faire le nœud, ça sert à rien. J'ai dit que je voulais un gallon, j'aurai un gallon. Voilà. Ne bouge pas. Donc là, on va pouvoir mettre un petit tag ou un petit sentiment. Voilà, alors attendez. Thank you.
j'ai fini. Mon Dieu. Donc voilà. Allez, je vais relever la caméra. Il m'a fait souffrir. Donc voilà. Je vais raccourcir un peu le ruban fermeture parce qu'il me paraît un peu long quand même. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc voilà. Donc là, j'ai rajouté deux petits tags que je viens de faire moi-même. Hein. Donc pour mettre des sentiments, mettre le titre de l'album, pourquoi pas. Donc ça, c'est l'arrière, tout simple. On va plus se casser la tête. Hein. J'ai réussi à mettre mon petit galon que je voulais mettre. Alors, hop. Donc voilà les deux premières pages. Donc ici, on peut y mettre une photo. Là, bon, j'ai mis deux petites étiquettes comme ça, mais on peut mettre une photo, hein, bien sûr. Là, on a le tag. Enfin, la petite pochette où on peut mettre une photo de chaque côté. Voilà. Bon, à l'envers, c'est pas facile pour le remettre. Hein. Le fil en une. Je vous assure, aujourd'hui, pas. M'a fait souffrir. Voilà. Ici, une petite pochette, donc pareil, pour y mettre une photo. Là, on peut mettre une photo, deux photos, on le sort, on peut mettre encore, voilà, deux photos. Ici aussi. Donc là, on peut mettre des petits sentiments, hein, des petits décors. Et la dernière page, la voici. Donc, pareil, une photo ici, une ici. Et voilà. Donc, cet album qui m'a fait bien souffrir aujourd'hui, malgré qu'il était tout petit. Vous voyez, c'est pas toujours les plus compliqués, les plus. Mais bon, je suis pas en grande forme non plus, donc on va dire que c'est l'excuse. Voilà. Alors, comme je vous avais dit dans le titre, je vous avais marqué tuto mini-album. Bon, c'est, on va dire que c'est un tuto, hein, malgré. Et je vous avais marqué surprise à la fin. Alors, la surprise, à la fin, donc moi je vais, demain je vais, parce que là il est très tard, il est 11h30 du soir, je vais certainement finir de décorer un tout petit peu l'album, voilà, et cet mini-album, voilà, je vais vous faire gagner, voilà. Donc si ça vous intéresse de gagner ce mini-album, ben écoutez, vous me marquez ici en commentaire le mot ben, je participe, hein, mini-album, je participe. Voilà, donc on est dimanche. Ben je ferai un tirage au sort dimanche prochain. Voilà. Là, j'ai pas besoin de le laisser pendant 15 jours. Hein, donc, dimanche prochain, je ferai un tirage au sort pour savoir qui a gagné
l'album qui m'a fait tant souffrir. Voilà. Et bah, déjà, en espérant qu'il vous plaît. Là, à la fin de la vidéo, vous allez voir les photos de l'album complet. Avec les deux, trois petites choses que j'aurais rajoutées dessus. Voilà, pour le finir complètement. Voilà, Fifi, qui vient dans les papiers, qui va être plein de trucs. Allez, bouge, oui, parce que là, c'est pas le moment. Donc, voilà. Alors, si vous voulez gagner ce petit mini-album, donc, vous me notez en barre d'infos, je participe, et on va, dimanche, je ferai le tirage au sort pour voir qui l'aura gagné. Voilà. Allez, je vous laisse. Je vais mettre mon pyjama parce que je n'en peux plus. Je suis morte. Il est 23h30. Et je baille. Voilà, ça y est. Il fallait que je parle. Je vais dormir. Je vais ranger tout mon fatras parce que là, je suis sur la table de la salle à manger. Sinon, demain matin, j'ai un chouchou qui va vouloir prendre son café. Il va dire, je me mets où ? On se retrouve rapidement donc pour une nouvelle vidéo. Et puis ben, en même temps, profitez pour me dire si ça vous plaît que je fasse de temps en temps des petites vidéos comme ça pour vous faire gagner une petite création que je ferai en vidéo avant et que je vous ferai gagner à la fin. Dites-moi si ça vous plaît. Voilà. Donc là, le mini-album est à gagner. N'oubliez pas. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles aventures. Bye bye, bisous bisous.